bienvenue sur le podcast Ménopause et Renaissance. Je m'appelle Isabelle Kerr et je suis professeure de yoga spécialisée en yoga hormonal et en ménopause yoga. C'est avec un immense plaisir que j'ai créé ce podcast car je sais, pour en être passée par là, à quel point cette transition de la ménopause peut être déstabilisante pour nombre d'entre nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou encore mental. Et pourtant, je reste persuadée que ce chapitre de notre vie peut également s'avérer être une merveilleuse aventure vers la connaissance de soi. Dans ce podcast, je partage avec toi des conseils bien-être adaptés, conseils délivrés aussi par des invités expertes dans leur domaine, où nous parlerons yoga, nutrition, santé, beauté, mode et bien d'autres choses encore, afin que toi aussi, tu puisses vivre une merveilleuse renaissance. Alors, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invitée Hélène Kroos, qui est diététicienne et micronutritionniste. Et je suis d'autant plus ravie de l'avoir comme invitée aujourd'hui que nous travaillons toutes les deux pour une plateforme qui s'appelle Omena, qui est une plateforme dédiée à la femme à la ménopause. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir de t'accueillir, Hélène, aujourd'hui. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, bien sûr, je vais te demander de te présenter et de nous expliquer pourquoi tu t'es tournée vers cet univers de la nutrition, parce que je crois que tu viens d'un tout autre univers professionnel. Effectivement. Bon, ben, bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc effectivement, moi, j'ai pas toujours été diététicienne nutritionniste. Auparavant, j'étais directrice commerciale. Donc rien à voir. Mais en fait, à l'arrivée de mes enfants, ça m'a vraiment fait repenser un peu mes valeurs, ce que j'avais envie de transmettre, ce qui était important pour moi dans le quotidien. Et c'est là où je me suis dit, tiens, l'alimentation, quand même, a priori, on mange tous les jours. C'est peut-être important, cette histoire. Et du coup, ben, je me suis plongée là-dedans. Ça m'a passionnée et j'ai multiplié les formations depuis lors. Oui, oui, ça, tu as raison, parce que c'est vrai que on dit hein, que l'alimentation, c'est notre première médecine. Donc, parfois, rien qu'en ayant des habitudes alimentaires qui sont un petit peu plus saines, on peut vraiment agir sur notre bien-être, voire sur notre santé générale. Donc, je comprends que tu étais attirée par ce sujet-là. Et alors, du coup, toi, tu es diététicienne, tu es micronutritionniste, naturopathe. Alors, si on connaît aujourd'hui le travail de la diététicienne et de la naturopathe, en revanche, celui de micronutritionniste est un petit peu moins connu. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler et nous dire quelle est la différence justement entre les micronutriments, les macronutriments? On entend souvent parler de ça, mais sans vraiment parfois savoir de quoi il s'agit exactement. Mais si tu veux, les macronutriments, ça concerne vraiment protéines, lipides, glucides. Ce sont des grosses molécules qui sont contenues dans nos aliments et qui apportent de l'énergie. Micronutriments, ce sont plutôt des petits éléments, donc des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments qui sont essentiels finalement à la santé, mais qui sont présents en toute petite quantité en fait dans les aliments. Et la micronutrition, ben, en fait, c'est une médecine qui est préventive et qui est personnalisée et qui s'appuie dès que possible finalement sur des bilans biologiques. On s'intéresse en fait au lien entre santé et alimentation, et en se penchant sur les apports micronutritionnels, justement, des individus via l'alimentation et, si nécessaire, une supplémentation. D'accord. Donc ça, on vient de te voir avec, du coup, un bilan sanguin ou… Alors, la personne, elle l'a ou elle ne l'a pas. Deux fois, la plupart du temps, en général, elle ne l'a pas. On regarde un peu ce qui ne va pas et on fait le point sur ce qui pourrait être testé, effectivement, soit au niveau urinaire, soit au niveau sanguin. On fait le lien aussi avec le médecin généraliste. Et puis on lance les analyses pour pouvoir effectivement aider la personne au mieux.
D'accord. Donc, par exemple, on peut venir te voir et te dire, bon, voilà, en ce moment, je me sens très fatiguée, par exemple, à l'approche de l'hiver. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Du coup, là, tu vas te positionner plutôt en diététicienne, en micronutritionniste, en naturopathe, ou les trois à la fois, finalement? Toujours les trois. Toujours, oui. Tu vois, j'ai toujours les trois qui sont en train de tourner dans ma tête et de me dire, tiens, quelle approche là pourrait être la plus intéressante? Mais finalement, c'est souvent un mix des trois que je vais utiliser. Oui, parce que si fatigue... Oui, ouais. Parce que si on devait faire, alors, comment dire, un petit topo sur chaque profession, la diététique, ce serait plutôt de donner un régime alimentaire, quand je dis régime, pas dans le sens de maigrir, hein, un régime, voilà, dans le sens que oui, manger. Des repères alimentaires qui sont compatibles avec un bon état de santé. La diététicienne, c'est aussi une professionnelle qui est formée donc aux pathologies. Hein, qu'on peut rencontrer, c'est une professionnelle qui peut exercer en hôpital, donc voilà, à l'adaptation de l'alimentation à l'état de santé de la personne, on va dire. Voilà. La naturopathie, ça vient, c'est une casquette en plus, moi je trouve, parce que du coup, on prend vraiment en compte les différentes dimensions de l'être, tu vois, le côté psychique, mental et physique, bah, qui joue sur l'état de santé global. Et le naturopathe, bah, il a à sa disposition plusieurs moyens de santé naturels pour rétablir l'équilibre. Mais on est toujours dans la prévention, hein. C'est pas, je veux dire, la naturopathie, elle s'exerce en parallèle de la médecine moderne, classique, etc. C'est, il faut voir son généraliste, il faut avoir des diagnostics, et après, on peut aider. Voilà. Et avec des moyens naturels, donc les plantes, l'aromathérapie, voilà, ça, c'est super chouette. Et la micronutrition également, qui est encore une discipline à part, et pour laquelle, si on veut l'exercer quand même, moi, me suis formée, j'ai fait un diplôme universitaire pendant un an. D'accord. Oui, alors la naturopathie, c'est plus global, c'est comme on dit holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre la personne dans son ensemble. Et du coup, le fait que tu aies ces trois casquettes, ça te permet vraiment d'avoir une vision complète, quoi, globale, sur ce que tu peux proposer à une personne qui vient te voir. Ben ouais, je trouve, on essaie que ce soit le plus complet possible pour coller aux attentes de la personne, ouais, ouais. Bon, c'est intéressant du coup, parce que c'est vrai qu'on entend plusieurs termes en fait dans ces métiers de soins ou d'accompagnement, on va dire, voilà, alternatif ou naturel, sans vraiment connaître exactement la différence entre toutes ces approches. Donc, ben, merci de nous avoir éclairé là-dessus. Et alors, j'avais une question pour celles qui sont en préménopause et qui ont justement des inconforts au moment de leur cycle, de leurs règles, qui peuvent avoir des douleurs ou alors qui peuvent aussi connaître à ce moment-là particulier des règles peut-être très abondantes ou après pendant 2-3 mois presque une absence de règles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait soulager? Alors, je sais que là, c'est des conseils d'ordre général et qu'il faut bien évidemment que tu aies la personne devant toi, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose de général qui pourrait venir soulager les femmes qui éprouvent des douleurs ou des inconforts à ce moment-là? Oui, souvent les inconforts, ils sont de deux ordres. C'est-à-dire soit c'est plutôt de l'ordre physique, effectivement, des douleurs ou des cycles qui viennent et ensuite qui ne viennent pas, qui sont trop abondants, etc. Ou alors des symptômes d'ordre plus psychique, tu vois, un peu de dépression, de la nervosité, de l'insomnie, des angoisses, etc. Parfois, c'est les deux, malheureusement. Et dans tous les cas, finalement, dans tous ces cas-là, il y a quand même une base qui est commune, c'est qu'il faut faire attention à son alimentation, il faut l'adapter à cette période-là de la vie, de la périménopause. Tout le mois de novembre, et encore là au mois de décembre, j'ai fait des posts sur Instagram, tu vois, sur le sujet du syndrome prémenstruel. En fait, c'est le même type d'alimentation, finalement, qu'il faut adopter, parce que syndrome prémenstruel ou périménopause, c'est une période où il y a une cacophonie hormonale et il faut remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc concrètement,
à la base, repenser un peu son alimentation, notamment au niveau des glucides, tu vois, les sucres, les glucides complexes, ben, on va plutôt aller sur des céréales qui ne sont pas raffinées. Tu vois, du riz complet, des céréales complètes ou semi-complètes. D'ailleurs, pareil pour les pâtes. Je vais choisir des féculents un peu protéinés, comme le petit épeautre. Ça va être intéressant plutôt que de manger classiquement toujours des pâtes ou du riz blanc. Tu vois, c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude en France. Bon, bah, on va essayer d'aller chercher autre chose. On va aussi varier ses sources de protéines en intégrant notamment des protéines végétales. Ça, c'est super important. C'est un truc, pareil, en France, on a perdu l'habitude de tous les légumes secs, hein, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, tout ça. Ça revient sur le devant de la scène, mais avant la Seconde Guerre mondiale, c'était quelque chose qui était sur toutes les tables quasiment tous les jours. Voilà. Et c'est super bon pour la santé, avec beaucoup de fibres et des protéines de bonne qualité. Justement, on va favoriser les aliments riches en fibres aussi, pour réduire un peu tous les niveaux de sucre, de graisse, parce que les fibres, elles vont venir capter tout ça. Et il y aura une diffusion, mais il y aura une diffusion plus cool, en fait, dans le corps. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, je vais regarder aussi mes huiles. Je vais essayer de faire en sorte que toutes mes graisses ajoutées soient de bonne qualité. Donc, ça, il faut faire le point. Ça, c'est un peu, tu vois, les réflexes basico-basiques. Et après, comme tu dis, c'est vrai que si, par exemple, c'est une femme qui a des cycles irréguliers et que des fois, c'est très, très abondant, tout ça, bon, bah, là, c'est très particulier. Juste faire ça. Alors, peut-être parfois sur le moyen terme, 6 mois, tu vois, oui, ça peut avoir un effet. Mais souvent, les femmes, elles veulent être soulagées un peu plus rapidement. Donc, à ce moment-là, on mettra probablement des compléments alimentaires, soit sous forme de plantes, soit sous forme de micronutrition pour aider, quoi. Alors, souvent, ce qui est reproché à tout, comme tu dis, les protéines végétales, comme les lentilles, les pois cassés, etc., c'est le fait que ça fait vraiment gonfler. Il y en a qui me disent, mais moi, je ne peux pas parce que ça crée des dégonflements, des ballonnements. Donc, est-ce qu'il y a une astuce pour peut-être diminuer Alors, d'abord, ce n'est pas tout à fait normal. D'accord. C'est que le microbiote, il est un peu déréglé, s'il y a ça qui se présente. Mais c'est vrai que c'est courant, tu as complètement raison. J'ai souvent des patientes au cabinet comme ça. Alors, il y a des manières de préparer ces légumes secs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un temps de trempage à respecter, absolument. Tu vois, les pois chiches, c'est 24 heures. Donc, c'est vrai que c'est long. On peut s'épargner ça en achetant un bocal, hein. D'accord. Si on achète un bocal où ils sont déjà cuits, hop, on vide le jus là, dans lequel ils baignent. On rince bien. Surtout, on va pas faire du... Souvent, les gens, il y a des trucs vegan sur Internet, ils font des œufs en neige avec le jus là, de pois chiche. Ouais, il y a rien de pire pour gonfler, quoi, vraiment. Donc, on le rince bien et ensuite, on peut utiliser l'aliment. Si on le fait soi-même, bah, on fait tremper, on jette l'eau de trempage, on rince encore bien l'aliment, ensuite, on le fait cuire. Et on peut éventuellement aussi, dans l'eau de trempage, rajouter un petit peu de bicarbonate. C'est vrai que ça va aider à diminuer déjà la propension de l'aliment à faire ballonner. Si ça ne suffit pas, il faut aussi, si jamais on n'avait pas l'habitude d'en manger, en réintroduire très progressivement, tu vois. On ne passe pas de 0 fois par semaine à 6 fois par semaine. On commence par 1 à 2 fois. Voilà, on voit comment ça va. On essaye sur plusieurs semaines. Hop, et ensuite, on peut augmenter légèrement. Et si ça ne va toujours pas, bon, là, je pense qu'il faut en parler avec une professionnelle, hein, une diététicienne, une nutritionniste, quelqu'un qui est notamment formé sur tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable et FODMAPS. Voilà. D'accord, oui, parce que la cause n'est peut-être pas justement l'aliment en lui-même, mais comme tu expliques, déjà notre état digestif et ce qui fait qu'il rejette ces aliments-là, et d'accord. C'est ça. Et malgré le fait qu'il soit effectivement bon pour la santé, en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et il n'y a pas, par exemple, un aliment qu'on peut associer avec pour que ça soit peut-être pour celles qui vraiment souffrent de ces ballonnements, ou non, peut-être pas. Hein. En fait, c'est difficile de faire des généralités, là. Honnêtement, c'est difficile. Je ne vois pas trop quel aliment
De manière générale, on est sûr que ça va diminuer les ballonnements. Non, je vois des plantes, tu vois. Il peut y avoir de la chlorophylle, il peut y avoir du charbon, mais en fait, ça va dépendre vraiment de la patiente. Oui, donc c'est pour ça, voilà, d'où l'intérêt d'aller voir une professionnelle pour un peu déblayer le terrain et voir vraiment ce qu'il en est. Et oui, puis Ouais, si c'est on a une important. gêne, ouais. Voilà, il faut que ça corresponde à soi et c'est pas forcément ce que va faire la voisine qui va être bon pour soi. Donc, d'accord, mais déjà, ça a mis un petit peu en lumière cette histoire de gonflement sur tout ce qui est légumes secs. Et alors, Ouais. donc là, je vais parler aussi je voulais te poser la question sur un sujet qui concerne ô combien les femmes à la ménopause et cette question qui revient sans arrêt, en tout cas en ce qui me concerne, c'est est-ce que toutes les femmes prennent forcément du poids à la ménopause et comment limiter cette prise de poids? Alors, il y avait des études qui ont été faites et ils montraient qu'il y avait une prise de poids moyenne à la ménopause de 2,4 kilos, tu vois, à peu près en 3 ans, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est courant, voilà, dans cet ordre-là, d'accord? Pas 15 kilos, voilà. 15 kilos, là, c'est qu'il y a autre chose. En fait, déjà, peut-être redire pourquoi, parce que je trouve que c'est quand même intéressant de comprendre pourquoi. En fait, quand il y a une baisse de production des œstrogènes, hein, les hormones féminines, eh ben, ça va venir impacter la production d'hormones thyroïdiennes. Et la thyroïde, c'est le thermostat de l'organisme. Tu vois, c'est ce qui dicte le nombre de calories qui vont être brûlées, finalement. Et donc, du coup, si cet organe-là, cette thyroïde est un peu moins active, ben en fait, finalement, on brûle un peu moins de calories. Donc, c'est pour ça qu'on peut légèrement, tu vois, ça fait 0,8 kilos de poids corporel par an sur 3 ans, quoi. Hein, on peut légèrement gonfler un petit peu. Alors, ta question, c'était aussi qu'est-ce qu'on peut faire, hein, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est en fait comment limiter cette prise de Voilà. poids. Et à ce moment-là, du coup, le plus important, vraiment, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'entamer des régimes. Suis contente de Entamer. toi dire parce que je me bagarre aussi contre ça. Donc, je suis très contente que tu abondes là-dedans, dans mon sens. Ah ouais, non, le contrôle mental qui va être exercé, les privations, le manque de plaisir. Tout ça va entraîner beaucoup de frustration et ça mène en fait sur le moyen terme à des prises alimentaires un peu compulsives ou au moins excessives et un état d'esprit où la personne elle est un peu en guerre avec son alimentation, son assiette. Et là en fait ça conduit finalement à plus grossir dans le temps qu'autre chose. D'ailleurs, enfin, moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes patientes quand je les vois. Vous voyez bien que chaque année, il y a toujours plus de régimes qui sortent dans la presse, dans des bouquins, que ce soit écrit par des médecins, des choses sérieuses, hein, ou des choses moins sérieuses d'ailleurs, mais qu'il y a toujours plus de surpoids en France. C'est donc bien qu'a priori, ça ne marche pas, parce que si ça marchait, ça saurait, en fait. Donc, vraiment, voilà, exit cette partie-là, c'est dangereux. Et en plus de ça, alors. Ce qui est fou, c'est que, on l'a dit juste avant, on a dit, bah, notre thyroïde, elle fonctionne moins bien. Donc, si, finalement, si je veux aider ma thyroïde à fonctionner, bah, faire un régime, je fais l'opposé. Parce que quand je fais un régime, eh ben, souvent, c'est un peu mal équilibré, mal conduit. Et du coup, je vais priver ma thyroïde de certains micronutriments, justement, les petits éléments, vitamines, minéraux, oligoéléments, dont elle a besoin pour tourner. En fait, elle a pas besoin de protéines, lipides, glucides, enfin si, comme tous les organes dans le reste du corps, mais elle a aussi besoin des petits cofacteurs. Et donc, en fait, faire un régime, je vais ralentir ma thyroïde. Donc, c'est dangereux, encore une fois, et contre-productif. Donc, du coup, moi, qu'est-ce qui va être intéressant? Qu'est-ce que je peux faire de plus intéressant? Le premier réflexe, je dirais, à cette période-là de la vie, voilà, vers la cinquantaine, c'est regarder vos apports en protéines. Regardez-les bien, parce que c'est hyper souvent en cabinet, pour plein de raisons, que les patientes, en fait, elles limitent leur apport donc en viande, en poisson, en œuf.
Et ça, en fait, c'est super délétère. Alors, on peut devenir végétarienne, on peut aller sur des protéines végétales, mais il faut se faire accompagner, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et quand je limite les apports de protéines à cette période-là de la vie, eh ben, en fait, je n'entretiens pas bien ma masse musculaire. Et à ce moment-là, je vais grossir très facilement. Tu le vois, toi aussi, ça ? Je le vois et je l'ai expérimenté moi-même. Parce que lorsque j'ai traversé la transition de la ménopause, donc quand j'étais vraiment en pré-ménopause et que je ne savais pas du tout ce qui se passait en moi, je n'avais pas d'infos à l'époque, j'ai pris du poids. Mon premier réflexe a été « allez, il faut moins manger, etc. » Bon, après, je me suis formée, donc j'ai vu mes erreurs et j'ai constaté une fonte de masse musculaire, alors que quand même, je pratique le yoga, je marche, etc. Et quand j'ai réintroduit suffisamment de protéines dans mon alimentation, déjà, j'avais un effet de satiété qui faisait que je n'avais plus du tout envie de grignoter, ou alors c'était le petit encas vraiment plaisir que j'appréciais sans me culpabiliser, mais mes repas aussi étaient bien plus équilibrés, moins de compulsions alimentaires, et puis j'ai repris ma masse musculaire. Donc clairement, pour moi, ça a été, et j'ai diminué d'une taille de pantalon. En ne me privant pas, j'allais presque dire en mangeant davantage. Voilà, je mangeais davantage. Simplement, j'ai réintroduit beaucoup de légumes, donc beaucoup de fibres, des protéines. Voilà, donc oui, clairement, je peux l'affirmer puisque je l'ai expérimenté. Et je vois souvent mes amis autour de moi qui suppriment toutes les protéines. Et comme tu dis, ne sont pas accompagnés pour ce passage vers la protéine végétale. Et je constate, les manques, elles se sentent fatiguées, etc. Je dis, oui, c'est pas étonnant. Donc, c'est très, très important ce que tu nous partages là. Et c'est bien de l'entendre de la bouche d'une professionnelle, du coup, également. Ouais. Et alors, justement, pour aller dans ce que tu dis, on sait que le stress, l'anxiété, ce sont des symptômes récurrents de la ménopause. Ouais. Qu'on soit d'ailleurs en pré-ménopause ou en post-ménopause, hein, c'est vraiment quelque chose qui peut durer dans le temps. Et c'est ce stress-là peut justement engendrer des pulsions alimentaires et notamment des envies de sucre, parce que c'est vraiment l'aliment doudou. On a l'impression que tout d'un coup, on va se sentir mieux quand on aura notre dose de sucre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Donc, moi, clairement, ça a été en augmentant ma prise de protéines que j'ai vraiment vu la nette différence sur mes envies de sucre, même si je continue à manger mon chocolat, parce que ça, on ne peut pas me l'enlever. mais bon, après, le reste, non, je dois dire que… Alors, en fait, tu as beaucoup d'études qui montrent que… 90% des cas de compulsion alimentaire ou de besoin de sucre comme ça un peu fort, en fait, c'est lié à des épisodes hypoglycémiques non détectés dans la journée. Ce qui veut dire, en gros, des baisses de taux de sucre dans le sang qui n'ont pas été repérées par les patientes, pas complètement conscientisées, c'est-à-dire on ne tombe pas dans les pommes comme on imagine la crise hypoglycémique parfois. Non, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, quand il y a une baisse de taux de sucre dans le sang, tout simplement, on peut se sentir un petit peu faible, un peu fatigué, un peu irritable. On peut avoir du coup le stress qui monte. On peut avoir une envie de sucre assez irrépressible ou une fringale. Ça, c'est des symptômes très classiques d'hypoglycémie. C'est pas tomber dans les pommes comme tout le monde imagine. Et donc, en fait, ce qui va être vachement important pour limiter ces épisodes hypoglycémiques, déjà, c'est la régularité des apports dans la journée, la régularité des repas. C'est-à-dire que, alors peu importe l'heure, à vrai dire, hein, c'est pas très grave qu'on mange tôt, tard, machin, bon, ça dépend de chacun, mais de pas trop espacer, si on est sujette à ces compulsions alimentaires, à ces fringales de sucre, de pas trop espacer ces repas de plus de 4 heures, ça va permettre de bien réguler ces compulsions, et notamment sucrées. Et clairement, comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir des encas. Ouais,
un goûter à 4 heures, c'est absolument pas une mauvaise idée, c'est absolument pas uniquement réservé aux enfants. Moi, je dis tout le temps à mes patientes, et c'est vrai que ça, bah, ça les surprend parce qu'elles viennent me voir, elles disent, je vais vous faire perdre du poids, tout ça, vous parlez de prendre un goûter, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, mais en fait, ça va probablement, et on observe toujours avec la patiente, hein, finalement, quelle est la conséquence, mais probablement mieux vous aider à gérer le moment que vous allez rentrer chez vous le soir, avant le repas, et où d'habitude vous grignotez du pain et du fromage, et je sais pas quoi, en attendant que le repas soit prêt, bah, probablement que ça va mieux vous aider. Et du coup, faire ça, voilà, faire ça, on évite les fringales de sucre, c'est clair, on évite les hypoglycémies. Et en fait, si vraiment c'est pas suffisant, bah, on peut aller chercher des choses comme la carence en sérotonine. À ce moment-là, bah, la micronutrition prend le relais, tu vois, c'est là où, en fait, c'est bien d'avoir plusieurs casquettes parce que, bah, en fait, ça se fait en plusieurs rendez-vous. D'abord, on trouve un truc pour, on trouve une alimentation qui convient. Et puis, si c'est pas suffisant, hop, on peut rajouter d'autres outils finalement. C'est vrai que la baisse des œstrogènes à la ménopause, bah, elle peut induire une baisse de la production de sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur. Donc, s'il y a une baisse, bah, on ressent plus le stress, on a plus de compulsions sucrées. Donc, il y a des plantes qui permettent de resécréter finalement cette sérotonine et de nous aider à moins ressentir le stress et donc moins de compulsions sucrées. Oui, alors justement, on parle beaucoup du sucre, mais en quoi est-ce qu'une consommation, on va dire, un peu excessive ou un peu au-dessus de la moyenne est néfaste pour la santé? En fait, le sucre, qu'est-ce qu'il aura comme impact sur notre santé à la ménopause? Quand même, premier truc que j'aime bien dire, c'est le risque majeur, c'est surtout de le diaboliser de manière excessive, d'accord? Bon, ça, on risque de créer des comportements délétères vis-à-vis d'un aliment un peu interdit, tabou, voilà. Donc, j'aime pas trop, mais tu as raison, l'excès de sucre, bon, c'est quand même un peu catastrophique, on le sait aujourd'hui. Ça peut être au niveau inflammatoire, hein, il est pro-inflammatoire, donc tout ce qui est douleur articulaire en période de périménopause, ménopause, bah, ça peut venir flamber. Ça peut être tous les risques cardiovasculaires, donc hypertension, par exemple, les problèmes de cholestérol. Alors c'est assez rarement seul en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de cholestérol dans le sucre, donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas c'est assez relié. Les problèmes de syndrome métabolique, donc diabète, tu vois, c'est assez large quand même l'impact du sucre, et puis bah, le risque de prendre du poids si j'en mange trop, voilà. Et donc c'est le sucre, c'est un élément qui vient mettre un peu plus de bazar dans une cacophonie hormonale de périménopause, donc c'est vrai qu'on va éviter d'en prendre trop. C'est vrai. Oui, alors j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit en premier, qu'il ne fallait pas non plus diaboliser. Et ouais. c'est pour ça que j'avais précisé en consommation excessive, parce que là aussi, oui. À cette période de vie, comme tu l'as très justement dit un peu plus tôt, et c'est ce que j'arrête pas de dire, on n'est pas là pour se martyriser. Quand on avait 18, 20 ans, on était déjà, enfin à mon époque en tout cas, il fallait répondre au canon de la beauté. Donc toutes les filles de mon âge s'affamaient, on prenait d'ailleurs ce fameux médicament qui a fait tant controverse. Je me rappelle plus ce fameux coupe-faim. Il y a eu un procès. J'ai oublié aussi celui d'avant. Mais je sais que mes copines en prenaient. Du coup, moi, j'avais voulu tenter, mais ça me convenait pas du tout. Donc, je l'ai arrêté rapidement. Mais certaines de mes amies ont continué sur le long terme pour toujours pareil, plus mince. Et je me dis, aujourd'hui, c'est bon. C'est maintenant, on va pas penser forcément à rentrer dans du 34-36. On va penser à être bien dans notre peau, à être en pleine forme pour faire des choses. Et justement, à être en pleine forme pour avoir une activité physique qui va dessiner nos muscles, qui va dessiner notre corps. Et je pense que ça aussi, c'est avoir le sourire. C'est ce qui est le plus important, évidemment, quand on n'a pas un surpoids excessif, donc là il faut vraiment se faire bien évidemment accompagner, mais arrêter de tout diaboliser. Et si on mange une part de gâteau, des femmes en surpoids qui sont en très bonne santé, hein, donc c'est là où il faut vraiment distinguer
le poids, voilà, qui est une donnée, qui est une masse, la masse de la personne, et la notion de santé, parce que ce n'est pas 100% du temps corrélé, quoi. Mmh. D'accord. C'est bien je de pense faire que ça. C'est important que les personnes l'entendent. Il y a des patientes en situation d'obésité, mais qui ont des très bons bilans sanguins, bien mieux que d'autres patientes qui ont un poids normal et qui, elles, malheureusement, ont un souci sur le bilan. Donc, c'est plus comment on se sent, si on se sent bien, en forme. Ouais, si on ne se sent pas entravé dans ses mouvements, et qu'on se sent mobile, qu'on se sent, voilà, bah, très bien. Enfin, je veux dire, voilà, très, très bien. Bien, alors... J'avais une autre question aussi. Donc là, c'est très intéressant de parler de l'alimentation à cette période de vie. Et je me demandais, est-ce que toi, tu pensais de l'information qui circule? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les femmes sont suffisamment informées sur l'importance justement de l'alimentation? Et attention, encore une fois, je ne parle pas de régime hein, pour maigrir. Non, oui. L'alimentation bien-être, l'alimentation santé à la ménopause. Et même pour aller plus loin, est-ce que tu penses que nous sommes suffisamment informés sur l'importance d'avoir une hygiène de vie globale, en fait, à adopter à cette période de vie qui est absolument, en ce qui me concerne, en tout cas, ma vision n'est pas du tout contraignante, puisque c'est ce que je préconise dans mon programme. Hein, donc, c'est que des choses, on va dire, douces envers soi-même. Mais est-ce que tu penses que nous sommes suffisamment informés? Non, enfin, je crois que la réponse quand même elle est assez claire. C'est pas la majorité des femmes aujourd'hui qui sont bien informées sur cette période-là de leur vie. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez tabou, dont les femmes parlaient peu, c'était assez honteux. Même je crois qu'entre elles, c'était même compliqué d'évoquer ce sujet-là. Donc n'en parlons pas sur la place publique, quoi. C'était vraiment... Et puis, il y a quand même un biais hein, dans la recherche scientifique, hein, ce genre de choses, comme le syndrome prémenstruel. Hein, voilà, bah, c'était des trucs, c'est des trucs de femmes, quoi. C'est pas très intéressant, c'est normal, quoi. Oui, c'est ça. Normal c'est comme que ça. Les femmes, elles s'ouvrent, quoi. C'est comme ça. Bon. Moi, j'ai l'impression que c'est relativement récent. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a beaucoup de communication, que ce soit via les réseaux sociaux, via des comptes Instagram, tu vois, comme le tien, comme celui de la start-up Omena, ou d'autres influenceurs, hein, et où on démocratise un peu le débat et l'information, on rend l'information accessible au grand public, et ça, c'est formidable, il y a de plus en plus de voix pour porter le message. Donc, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau hygiène de vie globale, hein, parce que souvent... Ça, voilà, ça va de pair, mais c'est encore la couverture est encore insuffisante. Hein. Ouais. Mmh. Oui, donc on a encore du travail devant nous. Ah ouais, clairement. Oui, mais c'est vrai, comme tu dis, on sent qu'il se passe des choses. Alors, c'est encore timide par rapport, par exemple, à l'Angleterre, où je suis énormément ce qui se passe là-bas. Ma formation de ménopause yoga a donc été faite par une Anglaise. Et c'est fou. Je me dis, mon Dieu, on est très, très en retard. Il faut vraiment qu'on s'accroche pour continuer à parler de ce sujet qui est finalement... on devrait pas en parler autant, mais c'est vrai que puisque c'est pas une maladie, c'est rien de honteux, c'est un passage de vie dans la vie d'une femme. Alors on glorifie la grossesse, on devrait aussi glorifier la ménopause qui apporte aussi ses richesses. Donc, mais bon, on a encore du travail devant nous, donc pour prêcher. Ouais, mais j'ai l'impression que ça vient. Donc moi, je suis contente et quand je vais y passer, la route est pavée, merci oui. Les copines voilà, d'avoir fait le boulot. Et c'est ça. Alors, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai vu sur ton compte Instagram. Donc, bien sûr, hein, je mettrai tout ton compte, ton site, tout dans la barre d'information pour qu'on te retrouve facilement. Mais j'ai relevé donc sur ton compte Instagram, donc voici, hein, je cite ta phrase, « Les recherches nous montrent qu'il faudrait manger environ 20 fruits et légumes différents par semaine pour être en bonne santé. Cela inclut les épices que tu avais notées entre parenthèses. »
Alors, ma question, bah, ça peut vraiment paraître énorme. Et comment suivre ce conseil? Est-ce que tu as des astuces pour élaborer des recettes simples afin de s'approcher le plus possible de cet idéal? Parce que c'est vrai que le chiffre paraît… Alors, ça peut aller très vite hein, si on a une alimentation variée, mais pour certaines femmes, ça peut, voilà, ça peut paraître beaucoup. Donc, moi, ce que je dis à mes patientes, c'est essayer de mettre des légumes à chaque repas, enfin, midi et soir, quoi, déjà, en commençant par là, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, déjà, ça facilite un peu le truc. Et on peut tout à fait rajouter une petite entrée de légumes, que ce soit sous forme de crudité ou de cuidité, pour commencer le repas. D'accord ? Comme ça, déjà la base. On met aussi à peu près 2 fruits crus par jour. Crus ou cuits de temps en temps par jour. Tu vois, voilà. Et pour faire ça, bah, moi, je trouve que s'aider d'un calendrier des fruits et légumes de saison, bah, c'est tout bête. Mais en fait, ça aide à se dire, bah oui, tiens, en fait, c'est vrai que là, ça y est, il va y avoir… je ne sais pas quoi, dans les magasins, ok, bah tiens, je n'ai pas l'habitude, je le mets. Et comme je le mettais entre parenthèses, mais ce qui est entre parenthèses était important, ne pas oublier les épices. Ben ouais, les petits boosters d'assiettes et qui vont compter dans la quantité de le chiffre là de 20 qui est un peu impressionnant. Les épices, c'est assez facile, on en a tous à notre disposition et hop, on en rajoute un petit peu, ça compte. Il y a aussi les herbes sèches, hein, la ciboulette, par exemple, ou fraîche. Là, il y a du persil qui pousse dehors, donc c'est tout à fait possible. Ça existe d'ailleurs en version en des petits pots congelés, si on n'a pas la chance d'avoir un jardin ou une petite jardinière chez soi. Et il y a aussi les graines germées qui sont top pour faire ça, ces petits boosters d'assiette. Et rien qu'en faisant ça, ben, en fait, bon an, mal an, on n'arrive pas très loin hein, de ces oui. Moi, il y a une chose que je fais aussi, c'est que j'ai toujours dans mon congélateur quelques sachets d'haricots verts, de poireaux. Ah ouais, voilà. Oui, mais t'as raison, oui, oui, utiliser les surgelés, mais carrément, ils gardent une bonne teneur vitaminique en plus, tu vois, par rapport aux bocaux. Les bocaux, les légumes ont beaucoup perdu de leurs vitamines, de leurs minéraux. Là, c'est pas le cas avec la surgélation, donc franchement, il faut y aller. Ben oui, quand on manque de temps, plutôt que de se jeter sur n'importe quoi, je me dis ben ça va quand même assez vite. Et puis avec un peu d'huile d'olive, de l'ail, un peu d'oignon, ouais. On arrive à faire quelque chose quand même qui est plutôt complètement. Donc un peu d'imagination et voilà. Et je pense que effectivement, comme tu dis, on peut y arriver. Et alors j'avais aussi une question pour toi. On entend beaucoup sur les réseaux parler du jeûne intermittent. Je voudrais savoir ce que tu en penses au moment de la ménopause, qu'on soit du coup dans cette phase de péri ou de post-ménopause. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable à proscrire ou ça dépend? Bah, c'est comme toujours. Hein. Ça dépend. J'aimerais pouvoir dire mais oui, toujours, allez-y, c'est génial. Il y a des super côtés au jeûne intermittent, c'est vrai. Mais là, ta question, elle se pose dans le cadre, effectivement, de la périménopause où on a déjà pas mal de chamboulements hormonaux. Et en fait, le jeûne intermittent, en soi, est un chamboulement hormonal. Donc, est-ce que j'ai envie de mettre du chamboulement sur du chamboulement? Non, pas certaine, en fait. Pas certaine qu'à cette période-là de la vie, ce soit hyper indiqué. Ça risque de créer un peu plus de confusion, un peu plus de cacophonie hormonale, un peu plus de fringales potentiellement. Donc, c'est pas le premier truc que je donnerais à ces femmes-là, en tout cas. Même si le jeûne intermittent, en soi, a plein d'avantages intéressants. Hein. Mais là, bof. Pas pendant la péri, peut-être en post-ménopause. Voilà, pourquoi pas en poste, ouais, une fois que les choses sont vraiment calmées, qu'il n'y a pas trop de symptômes, qu'on n'est pas trop embêté, ouais, ça peut être hyper intéressant. Alors, bien sûr, encore une fois, ça va être en fonction des femmes, parce que une femme qui a un petit poids, même pas en sous-poids, hein, mais un petit poids, n'irait pas forcément sur du jeûne intermittent. Voilà, femme un peu fragile, une personne âgée, non, pas de jeûne intermittent. Voilà. Mais pour les autres, où il y a un léger besoin de perdre un peu de poids, oui, ça peut être intéressant. Pourquoi pas si c'est bien supporté
qu'il n'y a pas de trouble du comportement alimentaire, attention. Ça peut être quelque chose de chouette. Il y a une efficacité sur la perte de poids, c'est vrai. Et puis, sur la santé en général aussi, c'est anti-inflammatoire. Donc, ouais. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas si finalement c'est plutôt si on est en bonne santé? Parce que ça peut aussi ne pas être forcément pour perdre du poids, mais simplement pour mettre un peu, comme on dit, son système digestif au repos et se sentir peut-être moins fatigué. Oui. Voilà, c'est peut-être pas toujours en rapport avec une perte de poids, mais comme tu dis, si on est déjà voilà, en forme et que tout, on n'ait pas de problème particulier. T'as raison, mais en fait, finalement, moi, ce que je constate, c'est que la part des femmes qui s'intéressent au jeûne intermittent, quand c'est pas en relation avec un sujet du poids, elle est faible. Ah elle est faible. Donc c'est pour ça que volontiers je communique sur le sujet du poids. Mais c'est vrai que le jeûne intermittent a d'autres bénéfices, et notamment effectivement au niveau digestif, comme tu dis, anti-inflammatoire. Donc ouais, très bien. Si on veut prendre soin de sa santé, ça peut être une option, mais pas n'importe quand, pas n'importe qui. Oui, voilà, il faut faire attention. C'est pour ça que j'aime bien poser ce genre de questions à des professionnels, parce qu'on entend un peu tout sur les réseaux, et ça peut aussi finalement engendrer une espèce de comment dirais-je, de honte, il faut pas exagérer, mais pour certaines femmes, tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'importance pour certaines du goûter. J'ai déjà vu certaines qui disaient, mais vous n'avez pas des enfants, vous n'avez pas besoin de goûter. Je me disais, mais mince, quoi. Pour certaines, c'est très important d'avoir ce moment. Ça correspond aussi à un moment de pause. Donc, culpabiliser. Je ne voulais pas que les femmes se sentent coupables d'une chose ou d'une autre. C'est pour ça que c'est important de voir une professionnelle qui peut adapter les habitudes alimentaires pour que ça rentre en même temps dans un cadre santé et puis dans son cadre de vie habituel. Parce que si on change tout, on modifie tout, radicalement, c'est voué à l'échec, on ne va pas tenir. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voir une professionnelle et de pouvoir parler en toute confiance de son mode de vie. Donc, ça, c'est très intéressant sur le jeûne intermittent parce que vraiment, on entend énormément de choses. Et bon, là, je pense que je vais avoir ma réponse. Mais donc, on sait que la qualité nutritionnelle de nos aliments sont bien moindres aujourd'hui. Donc, est-ce que tu préconises la prise de compléments alimentaires? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui rentre finalement plus facilement dans nos habitudes de consommation à cause tout simplement de cette constatation? Ouais, donc c'est une constatation qui a vraiment une réalité, hein, parce que je sais que certains en doutent, mais effectivement, on vit enfermé à l'intérieur, sans exposition régulière à la lumière, on fait peu d'activité physique, on mange des aliments qui sont un peu aseptisés, qui ont voyagé longtemps la plupart du temps, qui ont perdu vitamines, minéraux, etc. Donc c'est clair qu'on a un petit souci, alors non pas de carence hein, dans nos pays développés, tu vois, mais plutôt de déficience. Et donc, on a nos petites usines énergétiques, par exemple, qui tournent au ralenti, la thyroïde qui peut tourner au ralenti, etc. Donc oui, moi, je trouve que vu la manière dont on vit aujourd'hui, et vu qu'on ne mange pas des choses cultivées en permaculture tous les 4 matins, le complément alimentaire, c'est une bonne béquille sur laquelle s'appuyer, mais de manière temporaire, raisonnée et accompagnée, c'est clair, parce qu'on ne prend pas n'importe quoi, n'importe quand, et tous azimuts, quoi. Ce ne sont pas des médicaments, et à la fois, il y a un réel impact biologique. Donc, quand je vois des trucs avec des... C'est la mode, là, des gummies, les nounours, à croquer, machin, je rigole. Enfin, franchement, ça ne sert à rien, quoi. Ça, c'est bon, vous pouvez les jeter. D'accord, il n'y a aucune efficacité, il faut quand même se rapprocher de compléments qui ont, qui ont quelque chose. Il faut une certaine concentration, en fait, un certain dosage précis en fonction de telle vitamine, tel minéraux. Et clairement, par exemple, dans les gummies, on peut pas mettre des quantités dingues. Donc, en fait, on va payer super cher un truc qui va apporter soit des sucres, soit des édulcorants, donc perturber à nouveau notre équilibre hormonal, notre comportement alimentaire. Je ne sais pas si j'y vois un grand intérêt, là.
Je crois pas. Je crois pas que tu sois pour. On l'aura. Non. Mais je suis pour le fait de prendre de temps en temps, de manière raisonnée, certains compléments alimentaires. Oui, ouais, carrément. Ouais, il faut faire attention. Il faut quand même bien se renseigner sur la provenance et ouais. Bien regarder les étiquettes. Et si on ne comprend pas, d'aller se faire aider. Voilà. Ouais. Parce que finalement, même alors en supermarché, on s'en doute, mais alors même en pharmacie, parapharmacie, on trouve des compléments alimentaires qui sont vraiment de qualité très inégale. Hein. Il y a des trucs bien, il y a des trucs. Inutiles. Ouais, c'est pour ça. Et comme le marché, il est vraiment en pleine évolution et je vois que voilà, il y a toujours des nouveaux compléments alimentaires qui sortent sur le marché, donc c'est sûr que. Il vaut mieux bien se renseigner. Mais aujourd'hui, c'est facile quand même auprès de son pharmacien ou d'un professionnel comme toi de voir ce qui est bon ou non à prendre. Et est-ce que le problème principal des femmes qui viennent te voir, c'est toujours le poids ? Alors, j'ai une majorité de femmes, je dirais, tu vois, 60% de femmes qui se tournent vers moi pour la gestion du poids et notamment, surtout, après de multiples tentatives de régime, tu vois, et d'échecs et comme voilà les femmes savent que je propose une approche de la diététique qui est tournée vers le comportement et que grâce à ça on arrive à perdre du poids sans régime, sans frustration, bon, elles me consultent. Et puis je vais avoir un autre 40% de patientes où on va être plus dans notamment tout ce qui est problèmes digestifs. Ça, c'est vraiment une de mes spécialités, avec tout ce qui est douleurs, problèmes de transit, de ballonnement, tout ça relié ou non à des pathologies type endométriose, intestin irritable, tu vois, ce genre de choses, je vais avoir régulièrement. D'accord. Alors, Hélène, nous arrivons à la fin de notre échange et je termine toujours par cette question. Si tu as un rituel beauté ou bien-être, eh bien, acceptes-tu de la partager avec nous ? Bien, volontiers, Isabelle. Je pensais à ça hier soir, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais raconter ? Et je me suis dit, bah oui, tiens, en fait, hier soir, j'ai fait le geste. En gros, bah, en ce moment, il fait froid et tout. Et puis, c'est vrai, passer, moi, j'ai 41 ans. Je trouve que passé 41 ans, j'ai senti que ma peau était plus sèche. Et en fait, je rajoute un petit peu d'huile de germe de blé qu'on trouve au supermarché bio, par exemple, hein, en pot en verre. J'en rajoute quelques gouttes dans ma crème de jour. Une crème de jour très classique, tu vois, que j'ai pas payé des mille et des cents, bon, bio, voilà. Et je mélange, et franchement, ça fait une crème pour l'hiver beaucoup plus riche, beaucoup plus confortable. Et je suis très contente de ce geste beauté. Comme quoi, voilà. Ouais, il suffit de pas grand-chose. Et oui, parce que du coup, cette huile, voilà, l'huile va t'apporter quelque chose de très nourrissant. Et c'est vrai qu'en hiver... on a besoin ouais, l'huile de germe de blé, elle est hyper réparatrice, elle est hyper confortable pour les peaux. Voilà, passé 40 ans, c'est super. Je ne la mettrai pas chez les jeunes parce que je crois qu'elle peut être un peu comédogène. Mais voilà, passé 40 ans, si on a la peau un peu sèche, ça ne me fait pas des boutons hein, à la fin du mois. Il n'y a pas de problème. Bon, bah, écoute, merci pour ce petit tuyau. Et puis, je te remercie infiniment, Hélène, d'avoir pris ce temps pour nous partager cet univers de la nutrition qui est si importante au moment de la ménopause. Et bien évidemment, je mettrai, comme je disais, en barre d'informations là où on peut te retrouver. Donc, écoute, merci beaucoup à toi. Je te souhaite une excellente journée. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle. C'était super cet échange, pouvoir parler de ce sujet qui me tient à cœur. Donc, merci et à bientôt. Oui, à bientôt, Hélène. Et à toi qui as écouté cet épisode, je te remercie de bien vouloir le partager autour de toi. Tu peux aussi le noter ou le commenter. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée et à te dire à très vite pour une nouvelle écoute.